Le test d'effort, c'est le seul examen qui permet de voir en mouvement quelqu'un. D'accord? C'est vraiment la continuité de l'examen de repos. Et on peut avoir des choses qui n'apparaissent qu'à l'effort, et donc c'est très important de le faire. Ça permet de dépister des maladies, de voir comment évolue la tension, comment évolue la fréquence cardiaque, voir s'il y a des signes sur l'électrocardiogramme qui apparaissent et qui peuvent signifier une maladie coronaire Alors on va notamment. regarder ça en image, puisque Diana Cadouche, notre chroniqueuse, s'est prêtée au jeu. Elle a fait un test d'effort avec une médecin cardiologue du sport. Regardez ce que ça donne. L'indication de l'épreuve d'effort doit être posée par un médecin, soit généraliste, soit cardiologue, soit tout autre spécialiste. Et tout le monde peut faire une épreuve d'effort. Voilà. Généralement, c'est pour dépister l'ischémie myocardique, c'est-à-dire qu'il y a une artère du cœur qui soit rétrécie. On le voit indirectement au test d'effort. On voit en fait sur l'électrocardiogramme, sur les symptômes ou sur une baisse tensionnelle qu'il y a une artère rétrécie ou alors si tout est normal. Voilà, c'est un test qui nous permet aussi de voir d'autres paramètres, par exemple l'état sportif du patient, de lui donner des conseils s'il veut reprendre une activité physique et de voir sa gestuelle, de voir sa respiration. Il y en a qui par exemple font des tests d'effort parce qu'ils sont essoufflés et pas que pour des problèmes cardiaques. Donc il y a beaucoup d'indications possibles de tests d'effort. Là, on a vu plein de courbes ici. Ce test d'effort, on a compris qu'il permet d'écarter une maladie cardiaque, mais il y a d'autres utilités. Là, on voit des courbes qui, le médecin semble nous dire, ça va aider à prescrire l'activité physique. Exactement. Ça m'a permis de voir que Diana a fait un excellent test. On a vu un paramètre, un chiffre qui s'appelle, vous me disiez, le VO2 max. Voilà. En fait, elle avait un tube dans la bouche qui a permis de mesurer sa respiration et la concentration en oxygène, la concentration en CO2, qui a permis gaz de déterminer. Carbonique. Voilà, CO2, c'est le gaz carbonique. Ça permet de savoir exactement, de déterminer le seuil aérobie ou seuil ventilatoire, premier seuil ventilatoire. Et c'est-à-dire ? Alors, ce seuil-là, c'est le moment qui est idéal pour entraîner les gens en endurance de base. C'est ce qu'on appelle justement l'endurance d'intensité modérée, celle qui est recommandée Exactement. En premier lieu par l'OMS. Exactement, exactement. Et c'est au niveau de ce seuil qu'on entraîne la plupart des gens, qu'ils soient malades ou non, surtout pour reprendre une activité physique. Après, et Diana, je pense, elle peut le faire, si elle veut faire de la compétition, on va se servir du deuxième seuil, qu'on peut déterminer, là encore, avec ces courbes. Et qui correspond à l'intensité forte. Hein, l'Organisation mondiale de la santé propose soit de faire 2h30 d'exercice d'endurance d'intensité modérée, soit la moitié sous forme d'intensité forte. Mais là, il faut quand même s'accrocher, ce n'est pas simple, et comme vous le disiez, c'est si on fait de la compétition.